Bonjour à tous, merci d'être là. C'est écrit en gros depuis tout à l'heure. Votre cerveau est nul. Je suis pas sympa, mais en fait, le mien aussi. Et on va voir que peut-être ça peut se soigner ou pas. On va voir ça. On va donc parler de biais cognitif dans le dev. Ça se saurait. Je me présente rapidement. Je suis dev, plutôt chez Apple.net depuis bientôt 15 ans. Je précise que je suis dev pure bac. Back-end, j'ai aucune sensibilité front, donc si vos yeux saignent par la suite, c'est normal, j'en suis vraiment désolé. Donc voilà, je suis dev depuis bientôt 15 ans, on va dire. Je suis freelance aussi depuis un peu plus de 4 ans. Je suis membre de l'asso Hacker Job, c'est une asso lyonnaise qui vise à aider les développeurs à s'épanouir un peu plus dans leur métier de dev en utilisant le freelancing comme levier. Je suis aussi podcasteur depuis bientôt 2 ans. J'anime le podcast Punkin Dev. Vous trouverez tout sur le site. Vous avez mon handle Twitter. Je vais vous raconter un tout petit peu mon parcours. Avant de faire de l'informatique, j'ai fait une licence de sciences cognitives. Alors, ça, en fait, ça, même s'il y a le mot biais cognitif et sciences cognitives, ça n'a pas grand rapport. Je travaillais plus sur de la neuroscience, de la neuropsy. Mais ça m'a quand même donné une fibre pour m'intéresser à tous ces trucs-là. Ce que je voulais vous dire sur ce qui va venir dans le talk, souvent on entend parler de ce que les neurosciences peuvent nous apprendre au sujet de. S'il y a un truc avec lequel j'aimerais que vous partiez, c'est que quand vous voyez neurosciences dans un titre de truc, normalement ça doit vous activer le bullshitomètre. Très clairement, il n'y a pas de neurosciences dans ce que je vais vous présenter, il n'y a aucun substrat anatomique, on ne va pas parler de réseau de neurones ni de zone cérébrale, c'est plus de la psychosociale, de la psychocognitive. Voilà. Un autre truc qu'on m'a souvent demandé sur ce sujet, je ne parlerai pas de biais sociaux, de biais de représentativité, c'est un autre sujet qui est hyper passionnant mais qui est complètement annexe. Peut-être un jour je le ferai, mais voilà, c'est un autre sujet. Donc, je vous ai dit que votre cerveau était nul et j'aimerais que vous ne me croyiez pas sur parole. Mais je vais quand même vous le démontrer pour que si vous êtes amené à le croire, que ce soit sur des bases saines. Je vous montrerai des choses que vous avez déjà vues 10 000 fois. Je ne sais pas à distance, vis-à-vis de la profondeur de la salle, comment ça marche. Donc cette image ne bouge pas, c'est un JPEG. Là, sur les points blancs, vous regarderez de chez vous de près, mais on voit souvent les ronds qui passent en gris quand ils sont en champ périphérique. Tous les traits ne sont absolument pas obliques, tout est parallèle. Les deux cercles du milieu sont de la même taille. C'est des trucs que normalement on a tous vus. Les illusions d'optique, ça marche. Il y en a certaines qui marchent mieux que d'autres. Mais tout ça pour dire que déjà, notre cerveau, il a quand même deux, trois soucis avec la perception visuelle. C'est facile de le roubler. Maintenant, je voudrais aller plus loin sur de la perception visuelle. Je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, j'espère qu'on va voir si elles sont. On va voir. J'essaie de retrouver ma souris. C'est en route. Soyez attentifs. Ah, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. C'était moi, j'étais à zéro. On l'a refait. Donc il y a un monsieur qui va dire des trucs, faut bien écouter ce qu'il dit. Baba, 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 baba. Alors là, je mets une petite pause. En général, j'essaie de faire un sondage, mais globalement, moi j'ai entendu baba, un truc comme ça. Vous êtes à peu près d'accord, ça va? Ok, tout va bien. On continue. On continue là-dessus. Baba, 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 baba. Alors là, pour le sondage, vous avez entendu quoi en moyenne? Da? Ok. Ba, da, bon. Celui-ci, je le trouve moyen, celui-là. Le prochain est mieux. Baba, Voilà. baba, 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 baba. Va. Alors, s'il y a un truc qui ne marche pas, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont réfractaires à cet effet-là. Je n'ai pas encore d'explication, je chercherai promis, puis un jour je la trouverai si y en a une. Concrètement, ce que vous venez de voir, en fait, il n'y a que l'image qui a changé, la bande son était la même à chaque fois. En fait, notre cerveau fait absolument de la lecture labiale, qu'on le veuille ou non. Exemple, enfin. Baba, 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 Là, on a un va, baba, là, on a un ba, baba, et là, on a un e. baba, Voilà. baba, baba, baba,
Voilà. Alors, petit sondage pour mes stats personnelles. Il y en a combien chez qui ça ne marche pas du tout? Ah, il y en a pas mal quand même. Ok, faut vraiment que je cherche. Moi, je pensais que c'était universel. Ça ne l'est pas, visiblement. Vraiment, je chercherai. Je suis curieux. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, c'est facile de faire croire au cerveau des trucs qui n'existent pas, surtout si une perception sensorielle, en fait, enfin une perception implique plusieurs modalités sensorielles. Là, on a de l'audio et du visuel, et on ne peut pas faire consciemment la distinction entre les deux. Ça se perturbe. Je voudrais vous en monter un autre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait tenté pour faire une petite expérience en modulo de psychocognitive? Alors, c'est un truc sur des couleurs, donc je suis désolé si vous êtes daltonien, ça sera difficile. Mais quelqu'un de pas daltonien, est-ce qu'il y a quelqu'un de motivé? Sinon, on a un gilet rouge qui sera obligé de le faire. Ouais, tu peux me Ah, dire. il y a des mains qui se lèvent, t'en as juste à côté. Alors, le sujet de la tâche est relativement simple, je vais afficher des mots. Et ces mots sont écrits dans une certaine couleur. Ils Ok, vont ouais. s'afficher par ici. Et le but, c'est de dire en quelle couleur est écrit chaque mot. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible. C'est de réfléchir vraiment le moins possible. Je vais essayer. Alors, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Surtout que les couleurs, moi, j'en ai sur mon écran. Là, ça change. C'est pas grave. Le but, c'est d'aller vite. Allez. Jaune, bleu, violet, jaune, rouge, bleu, vert, rouge. Ok, ça c'était la phase d'entraînement. Maintenant, il y a une deuxième liste de mots qui va apparaître ici. Je suis chaud là. La consigne est exactement la même. Ok? Je perçois le problème. Donc voilà. C'est qu'un mauvais moment à passer, promis, après ça ira bien. Non, je l'ai fait et c'est rigolo. Allez, t'es prêt? Ouais. C'est parti. Rouge. Bleu. Jaune. Jaune, c'est orange d'ailleurs. Rouge. Bleu. Ah! Tu vois les... Et vert. Merci beaucoup. Tu ne seras pas torturé plus longtemps. Ça a super bien marché, merci. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer que, visiblement, quand il y a deux trucs à faire qui se télescopent, ça devient compliqué pour notre cerveau. D'où ça vient, ça? C'est juste que quand on est lecteur expert, alors quand on dit lecteur expert, c'est juste lecteur avec un peu d'expérience sous-entendue, j'allais dire au niveau CM1, CM2, on peut considérer que les enfants deviennent lecteurs experts. Ils ne peuvent plus s'empêcher de lire. La lecture devient un automatisme. Je différencie automatisme de réflexe. Un réflexe, c'est un truc inné. C'est le réflexe qu'on a fait au lycée, on tape, il y a la jambe qui bouge. Un automatisme, ça s'acquiert, ça s'apprend. C'est comme le vélo, la lecture s'en fait partie. Et une fois que le cerveau a automatisé un truc, il ne peut pas ne pas le faire. Ça devient automatique. Et là, dans une tâche où il faut détecter une couleur et qu'en même temps le cerveau lit une autre couleur, il y a interférence. Tout ça pour dire quoi, encore une fois, c'est que le cerveau, là, il a développé un automatisme dans le cours de sa vie qui a permis un traitement hyper rapide d'une tâche qui est super importante. Et à tel point que cette tâche-là vient potentiellement perturber d'autres choses. Ça, c'est globalement ce qu'on peut appeler un biais. Un biais, en fait, c'est une perception ou un traitement qui va être distordu ou un peu de travers ou un peu perturbé par d'autres choses. Et d'où ça vient? Ça vient globalement du fait que le cerveau humain a évolué depuis des temps immémoriaux, pour survivre dans un environnement qui, à l'origine, était plutôt hostile à l'espèce. Voilà, le cerveau, il a dû apprendre à faire des traitements hyper efficaces pour détecter que ce truc à poil là-bas, qui est orange avec des rayures noires et qui a des grands crocs, c'est quoi? Je vais lui faire un câlin, je lui donne à manger ou je cours. C'est déjà trop tard. Le cerveau a dû apprendre à courir tout de suite et à se mettre en l'air ou à trouver du feu. Donc, en apprenant à faire des choses rapidement, du coup, il se perturbe d'autres choses. Et les biais, globalement, viennent de là. Ils sont dans notre cerveau parce qu'il y a des raccourcis et quand on prend des raccourcis, on rate d'autres voies. Maintenant, je vais me poser la question de comment ces espèces de bugs, de biais, ils peuvent interférer avec des tâches quotidiennes. Et il y a une tâche qu'on fait quotidiennement quand on fait du dev, entre autres, c'est d'apprendre des nouvelles choses.
Et apprendre des nouvelles choses. Alors moi, dans les trucs que j'ai voulu apprendre récemment, il y a le jonglage. Et puis, il y a des langages fonctionnels. Alors, pas celui-là, mais celui-là, il pique particulièrement, je trouve. Et autant pour l'un que pour l'autre, à chaque fois, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air quand même si compliqué que ça. Et quand j'ai commencé, je me suis pris un mur d'apprentissage un peu tendu. Et je me suis posé la question, pourquoi c'est aussi long? Pourquoi j'y arrive pas? Et est-ce que, par hasard, je ne manquerais pas un poil d'intelligence? Je suis trop bête pour... Alors, je me suis rassuré, je ne suis pas si bête que ça. C'est juste qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Il y a des chances que vous en ayez entendu parler. L'effet Dunning-Kruger, on le voit souvent représenté comme ça. Je vous expliquerai à peu près pourquoi ça, ce n'est pas hyper accurate comme vision. Mais on a un axe ici avec notre compétence et un axe ici avec la confiance qu'on a en notre compétence. Et quand on commence, en fait, on a très vite, alors c'est un peu trollesque, hein, le pic du mont stupide, très vite, on se croit super bon. Et puis après, on se prend un gros parpaing de réalité, on a une espèce de vallée du désespoir. Et après, petit à petit, on a notre compétence qui vient être en phase avec notre niveau de confiance. L'explication de ce truc-là, elle est simple, c'est que moins on s'y connaît dans un domaine, et moins on se rend compte de l'ampleur du domaine auquel on s'attaque. Quelque part, c'est naturel. En vérité, ça, c'est juste un schéma qui va bien. Le Dunning-Kruger, il se schématise plutôt comme ça. Il y a deux courbes. On a un vrai niveau d'expertise, on a un niveau de performance, et on a une courbe de performance réelle et une courbe de performance perçue. Et pour les mêmes raisons, quand on commence... on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a dans le champ de discipline qu'il y aurait à connaître. Donc, on s'estime souvent meilleur potentiellement que ce qu'on l'est vraiment. Et ce n'est pas grave en soi, c'est naturel, mais il faut quand même en avoir conscience. Et petit à petit, on va progresser. Et en progressant, on va découvrir l'ampleur du domaine. Et un jour, on va se retrouver à avoir une performance qui est perçue, qui est à peu près égale à notre performance réelle. En grandissant... on continue à prendre en niveau, mais des fois, notre performance perçue, en fait, elle est plus légère, parce que souvent, sur un champ de compétences, on va devenir spécialiste d'une zone en particulier, et en fait, on va croire qu'on n'est pas bon parce qu'on spécialise sur un truc. Et souvent, là, cet écart-là, de ce côté-là, c'est là que va apparaître le syndrome de l'imposteur. Mais ça, c'est sujet d'autres talks que je vous invite à regarder, qui existent. Mais voilà, je préfère cette représentation-là. Elle est beaucoup plus fidèle à ce que Dunning-Kruger avait sorti à ce moment-là. Maintenant qu'on sait ça, je voudrais essayer de le transposer au métier du dev, puisque c'était le sujet du talk. Donc, on va faire une tâche très simple, un truc quotidien. Maintenant, chiffres. Alors là, c'est-à-dire que là, le domaine de compétences, on me dit gestion des utilisateurs, mais il y a, sérieusement, la gestion des utilisateurs, c'est, enfin, tu veux que chiffre, il y a quoi dedans? C'est quoi le principe? On n'a absolument aucune connaissance sur le truc, donc on sait de base qu'on va se tromper, qu'on va se surestimer, dans tous les cas, on va se tromper. Donc moi, je voudrais proposer des leviers d'action pour corriger ça. Comment on fait? Est-ce qu'on peut surchiffrer, par exemple, pour éviter de se planter? Alors, on peut surchiffrer, effectivement. Mais quand on surchiffre, il y a un truc qui s'appelle la loi de Hofstadter, dont vous avez entendu parler, qui dit en gros que quel que soit le temps que vous prévoyez, ça prendra toujours plus de temps, même si vous tenez compte de la loi de Hofstadter. Donc elle saute aussi elle-même. En somme, si vous pensez qu'il faut 3 jours, que vous dites « je vais mettre 5 jours », il vous faudra 5 jours et demi. Et si vous dites « il faut 7 jours », il vous faudra 7 jours et demi, voire 8, dans tous les cas. C'est une espèce de loi un peu empirique. Et notoirement, si vous êtes à l'aise au fait de doubler, tripler, quadrupler vos chiffrages, je pense que le métier de commercial est fait pour vous, vous gagnerez vachement plus. C'est mon avis, c'était gratuit. Sinon, on peut tenter des vraies stratégies. Une que j'ai essayé quelques fois, c'est de réestimer quotidiennement. C'est-à-dire, quand on réestime quotidiennement, le temps restant, ça peut ressembler à ça. Quand on a des tâches un peu complexes, on avance, effectivement, il y en a un peu moins. Ah zut, j'avais oublié ce cas-là, ça rajoute, on avance bien, et puis paf, on se prend un mur technique, flûte, on a un gros souci, ça prend d'un seul coup plus de temps. Et ce qu'on peut corréler avec ça, c'est le niveau de mensonge chaque jour, c'est-à-dire qu'on ment moins. Ça ne veut pas dire qu'on ment intentionnellement avec de la malveillance, c'est juste que petit à petit, plus on avance vers la fin, et plus on sera près de la vérité, jusqu'au jour où, une fois que c'est livré, là, on peut dire c'est fini. Je dis bien livré en prod, hein, c'est pas parce que c'est pushé sur la branche principale que c'est fini. Le fini, c'est livré en prod.
À ce jeu-là, il y en a qui attendent d'ailleurs de faire des chiffrages, ils attendent que ce soit déployé pour dire pour combien de temps ils en ont. Ils mettent ça au frigo, c'est bon, c'est livré, c'est déjà en prod, il y en a pour combien de temps? Je sais pas, une semaine ou deux. Et une semaine ou deux plus tard, c'est fini? Oui, c'est fini, regardez, on était dans les délais impeccables. Ils sont super forts. Par contre, ce type de stratégie, bah, selon qui vous avez au-dessus ou à côté, ah, politiquement, des fois, ça peut être compliqué. Il y a d'autres solutions. Moi, j'aime bien essayer de simplifier le poker planning. Bah, on a une gestion des utilisateurs, on va faire des micro-tâches. Normalement, c'est notre boulot de dev de prendre des problématiques complexes et puis de les splitter en plein de petites problématiques. Si on fait ça avec nos US, moi, j'aurais envie d'avoir, plutôt que d'avoir des cartes de poker planning avec une suite de FIBO qui est infinie, avoir plus que trois cartes. Avoir le 1, c'est-à-dire que j'ai une US. Le 1, c'est oui, j'ai compris cette US, je peux la prendre dans l'unité de temps que l'équipe s'est définie. Ça peut être la journée, ça peut être la semaine, ça peut être deux jours. Éviter de partir sur des unités de temps à trois semaines, ça risque d'être plus compliqué. Mais voilà, c'est j'ai les infos, a priori, je peux la prendre. Très bien. L'autre carte, ça va être ça. Alors TFB, c'est de l'anglais, ça veut dire too fucking big. C'est trop gros, ça ne passera pas. Ça va déborder, je ne peux pas m'engager à faire ça sur un laps de temps un peu restreint. C'est un coup à se planter, je ne veux pas. Il faut qu'on resplit. Et la dernière, c'est le NFC, c'est no fucking clue. On n'a pas fait assez d'analyse métier, il faut absolument qu'on requalifie le truc. Si on me met là-dessus, je vais prendre un temps infini à déjà comprendre ce qu'il y a à faire. Et sans être spécialiste, mais ça sent bon l'approche no estimate. L'approche no estimate, c'est pas de dire on arrête de faire des estimations et puis yolo. Non, si on se met dans des conditions, les estimations ne sont plus nécessaires. Et c'est une des bases, on peut travailler comme ça. Je nous ai donné plein d'armes, donc maintenant qu'on sait tout ça, c'est là que vos yeux vont saigner, on est des winners, on a gagné, super, on va plus se planter. Et je voudrais dire, ou pas, gare à l'excès de confiance, la confiance est parfois mauvaise conseillère. On va faire un petit jeu. Ceux qui le connaissent, gardez les bonnes réponses pour vous, laissez les autres se tromper. Donc, je vais vous proposer une suite de chiffres, un truc classique. Il faut trouver la règle qui régit la suite de chiffres. Pour trouver cette règle, vous allez pouvoir me proposer des chiffres qui viennent après. Et puis, ben, si à un moment vous dites « Ok, la règle, c'est ça », vous pouvez proposer une règle. Donc, la suite, pour l'instant, c'est ça. Facile, 1, 4, 9, 16, 25. Alors, vous êtes nombreux. Je vais le biaiser dans l'autre sens pour faire plus simple. Combien parmi vous, ici, m'auraient proposé 36? Ok. Pas tant que ça. Je ne sais pas combien parmi vous m'auraient proposé, par exemple, 7, ou un truc comme ça, un truc inférieur à 25. Personne ne l'aurait tenté. Combien m'auraient proposé, je ne sais pas, un truc entre 25 et 30, 28, pas plus que ça. Alors pour l'instant, là, pour ceux de devant, l'écrasante majorité est sur le 36. Du coup, on a tendance à vouloir proposer 36, 49. Voilà, on fait les carrés successifs, on est content. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. Donc là, c'est un vieux piège. Hein. Vous m'auriez dit 25, je vous aurais dit c'est bon, ça marche. Moi, la seule règle que je voulais satisfaire, c'était que chaque nombre soit supérieur au précédent. Oui, c'était un piège, c'était fait exprès. Mais j'ai biaisé mon échantillon pour justement induire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous avez été victime, à vouloir proposer 36, vous avez été victime de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite à valider ce qu'on pense sans chercher à l'invalider. Il nous mène à renforcer ce qu'on croit sans même envisager que d'autres possibilités puissent exister. On voit un truc, ça a l'air d'être des carrés, ok, super, je vais essayer avec d'autres carrés. Sauf qu'en fait, ça ne sert à rien, puisque si ça devait être des carrés, on a déjà suffisamment d'exemples pour prouver que c'est bon. Le principe, ça serait plutôt de prouver qu'on n'a pas tort, essayer de tester autre chose. Quand on est au 25, bah, dire, bah, le suivant, je ne sais pas si je propose 26, qu'on me dit non, bah, je vais en faire plein, et ensuite on va voir. Le rapport avec nos devs, parce que j'essaie de faire des rapports avec le dev, et bah, je code, je teste, le test passe, et je suis content. Eh bien, peut-être que je ne devrais pas. Petite anecdote, il y a quelques années de ça, je récupère une base de code, pas trop vieille, ça avait 6 mois, ça avait été développé un peu à l'arrache par une ESN qui avait mis plus de stagiaires que de seniors que ce qu'ils avaient vendu.
un peu un classique. Et moi, quand j'ai récupéré la code base, l'archi qui était sur place m'a dit, bon, bah, je leur ai demandé d'écrire des tests. Alors, du coup, ils m'ont fait des tests après coup. Mais il y a des tests, il y a une couverture qui est pas trop mal. C'est à 70-80% de couverture de code. Je suis bon, OK. J'ai pas posé plus de questions. Et il y avait pas mal de boulot à refaire dessus. Donc, j'ai fait beaucoup de refacto en préparation de plein des vols qui allaient venir. Et un jour, on arrive, bon, bah, voilà, telle règle métier, elle doit changer. Je suis là, bah super, a priori j'ai un test qui couvre cette règle métier, donc je vais pouvoir changer mon code, ça va me faire péter mon test, et puis je verrai ce qui se passe. Je change mon code, mon test restait vert. Et là j'ai pris la goutte de sueur, là, où je me suis dit, j'ai cassé quoi depuis un mois que je fais des refacto en croyant que j'étais couvert par les tests. En fait, les tests, voilà, ils ne testaient pas ce qu'ils prétendaient, il y avait un autre effet, ça ne passait pas dans la bonne boucle. Et du coup, j'ai vraiment pris super peur. Donc, cette phase-là, il vaut peut-être mieux éviter. Et il y a un moyen assez simple d'éviter cet écueil-là. C'est le TDD. Est-ce qu'il y a des pratiquants de TDD dans la salle? Levez vos mains. Ouais. Alors, il en faudra plus pour l'année prochaine, s'il vous plaît. Je vais vous donner une bonne raison de faire du TDD. Voyons comment TDD nous permet d'adresser le biais de confirmation. Alors, tout simplement... Le principe de TDD, c'est de commencer par écrire un test qui plante. On n'écrit pas de code métier, on n'écrit pas d'implème. On écrit un test qui plante. C'est normal qu'il plante, il n'y a pas d'implème derrière. Donc, là, de base, on cherche l'échec, le contraire de la confirmation. Donc, par essence, on contre déjà ce biais de confirmation. Dans l'optique de notre suite de chiffres, si on avait un bout de règle qui était implémenté justement sur des carrés, le fait on a déjà testé 16, 25, 36, ça ne sert à rien d'en faire un de plus, puisque celui-ci il va forcément être vert, puisque la règle elle a déjà fonctionné pour les autres. Il faut absolument avoir un test qui soit rouge, sinon il aura peu, voire pas de valeur. Et ensuite, on écrit l'implème minimal qui va nous permettre de faire passer le test au vert. Et c'est cette bascule du rouge au vert avec une implème minimale qui indique que le code qui a changé, c'est ça qui a changé la donne, qui a permis de faire passer le test au vert, pas autre chose. Et ensuite, parce qu'on est bien élevé, on soigne la propreté et la qualité de notre code en s'assurant qu'on ne casse rien, parce que du coup, on a des tests. Ça vous donnera des arguments pour pousser le TDD dans vos équipes, comme quoi on a notre cerveau qui est mal fait. Le TDD nous permet de corriger ça. Ce biais-là peut avoir d'autres conséquences. Le fait de, quand on trouve une information qui nous paraît intéressante, alléchante, on va avoir tendance à vouloir la confirmer, plutôt que d'aller voir des arguments contraires. Et quand on fait ça, aller chercher toujours des arguments qui vont dans le sens de notre avis plutôt que des sens contraires, ça peut mener à un truc qui s'appelle la chambre d'écho. La chambre d'écho, c'est le fait de n'entendre un peu que notre propre son de voix. C'est ce qui se passe un peu sur Internet. Quand on cherche une info sur un truc, on va trouver plein de choses qui vont dans ce sens-là et assez peu de choses contradictoires. Et en général, on peut le schématiser comme ça. Je suis dans ma pièce, je dis « Oh, c'est une bonne méthode ». Et le principe de l'écho, c'est que ça va me renvoyer absolument le même discours que ce que moi j'ai émis. Et ce qui va se passer, c'est que tout le monde le dit, c'est que j'ai forcément raison. Et à aucun moment, on s'est demandé s'il n'y avait pas autre chose au-delà des murs. Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sont exactement conçus autour de ce phénomène-là. Ils nous proposent des choses avec lesquelles on est d'accord par avance. C'est plus vendeur. Un truc qu'on peut associer à ça, c'est ce qu'on appelle l'escalade d'engagement. Ça ne vient pas tout seul. C'est qu'au début, la plupart des gens, ils pensent, ils ont une opinion. Je pense avoir raison, a priori. Voilà. Et puis, à force de renforcement, ça devient une certitude. Et puis, au-delà d'une certitude, ça devient une évidence. Et y a des profils qui, des fois, peuvent devenir un peu agressifs. Si tu n'es pas d'accord avec moi, de toute façon, c'est toi qui dis n'importe quoi. Regarde, j'ai fait plein de recherches là-dessus. Toute ressemblance avec de l'actu depuis quelques années est totalement faite exprès, naturellement. Pour en revenir au dev, je voudrais matérialiser ces processus qui se retrouvent bien souvent sur nos projets legacy. Alors les legacy, c'est un peu compliqué. Y a plein de phrases qu'on entend sur les legacy. Ça fait longtemps qu'on fait comme ça. Oui, mais au moins ça fonctionne. On n'a pas le temps de tout remettre en question. En fait, tu veux prendre ma place, c'est ça? On a tous été ou entendu à un moment ou à un autre.
Les legacy sont des projets où il y a énormément d'inertie. Mais ça ne vient pas tout seul. Je voudrais vous présenter une petite histoire. Comment se faire digérer, happer par un legacy, avec ce qu'on appelle la fable des singes. J'insiste sur le mot fable. Si vous le cherchez sur Internet, ça sera parfois présenté comme une expérimentation réelle. Je n'ai pas trouvé de source qui atteste que c'est une vraie expérimentation. A priori, c'est une fable. Mais j'aime bien ce qu'elle présente. Donc, la fable des singes. Je vous présente une cage. C'est là que vous voyez que je suis un dev front absolument incroyable. Donc, ceci est une cage dans laquelle on met des singes, plein de singes. Ils sont beaux, ils sont transparents, avec un seul œil. Mais voilà, on a des singes un peu bizarres. Et on leur met une banane dans la cage. Enfin, une banane, de la nourriture quelconque. Et naturellement, ce qui se passe quand on met de la nourriture dans une cage avec des animaux enfermés qui s'ennuient sévèrement, eh ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher la nourriture. Et il y a un dispositif absolument abject qui fait que quand un singe attrape la nourriture, toute la cage se prend une douche froide. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au bout d'un moment, à chaque fois qu'il y a un singe qui va y aller, prendre la nourriture, il y a les autres qui vont lui tomber dessus. Toi, tu vas manger, mais nous, on va tous se faire doucher, il n'y a pas moyen. Donc, il lui en colle une. Et là, il a un pansement, parce qu'il s'est fait blesser. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un singe, on l'enlève, et on le remplace par un singe non transparent, un singe opaque sans œil. Et du coup, lui, il vient, il voit de la nourriture, il y va, il se dit « cool, il y a à manger, j'y vais », lui, il n'est pas au courant. Du coup, il s'en prend une. On réitère, on enlève un autre singe transparent et on met un nouveau singe opaque. Et à chaque fois qu'il y en a un qui va aller chercher à manger, il va s'en prendre une. Et petit à petit, on aura changé tous les singes de la cage et ils auront tous fait perdurer cette action-là. Il n'y en a aucun qui sait pourquoi, il n'y en a aucun qui s'est jamais pris une douche froide. Le pire, c'est que dans la fable, en fait, le dispositif de douche a été désactivé au premier changement de singe. Ce qui se passe ici, en fait, c'est que toutes les bonnes raisons d'appliquer un schéma, elles ont disparu depuis super longtemps. Toutes les personnes qui portaient la connaissance d'un contexte d'application de ce schéma et éventuellement la pertinence de ce schéma, elles ne sont plus là pour l'expliquer. Et pourtant, le schéma perdure. Ça peut s'appeler de la culture d'entreprise, d'équipe, souvent de la culture subie, et on ne sait plus forcément pourquoi. On peut appeler ça du legacy humain. Et c'est comme ça voilà, qu'on fait perdurer des environnements potentiellement toxiques, alors qu'à la base, le comportement il était un peu brutal, mais il avait une justification pour le bien-être de la communauté. Sauf qu'à la fin, on ne sait plus, mais il est toujours appliqué. Si on ajoute en plus dans nos sociétés humaines de la politique, de l'ego, du pouvoir, le cocktail il va être super sympa au quotidien. Comment s'en sortir ou éviter de rentrer là-dedans ? Il va falloir être capable d'apporter du changement. Et le changement, c'est super difficile à initier. Et bah, pour apporter du changement, moi, je milite pour un truc, je fais l'éloge un peu des principes de l'agilité. Alors, je voudrais vous demander, c'est quoi, par cœur, c'est quoi le 12e principe de l'agilité ? J'ai fait ce talk à Agile Grenoble, j'avais un parterre de Scrum Master et de Coach Agile, ils n'ont pas réussi à le trouver du premier coup. Donc, je vais vous le dire. Le 12e principe de l'agilité, c'est juste s'arrêter pour prendre du recul et progresser. Et pour éviter ça, ça me paraît être la base. Prenons le temps de la remise en question. Mais le simple fait de se poser des questions, pour moi, ça ne suffit pas. Encore faut-il se poser les bonnes questions et peut-être éviter des nouveaux biais qui pourraient biaiser justement la phase où on prend du recul. Et il y a plein de choses qui viennent bloquer les phases de remise en question. Pourquoi c'est si difficile à initier ? D'autres phrases types. Hein. On a déjà perdu trop de temps, d'argent. On ne peut pas se permettre que tout ça soit en vain. Et là, je vous mets une image de Rambo. Promis, il y a un rapport. Rambo, il a fait la guerre du Vietnam. Oui, c'était dans des films, c'était pas dans la vraie vie. Mais la guerre du Vietnam, dans la vraie vie, elle a beaucoup, beaucoup souffert de ces deux phrases-là. Les États-Unis, quand ils se sont engagés dans la guerre du Vietnam, ils y sont allés en mode, je sais pas si c'était de la timidité ou de l'arrogance, mais
Ça va 2-3 gars dans leur forêt avec des machettes. Nous, on va y aller avec des mitraillettes. Ça va bien se passer. On n'envoie pas des grosses troupes. Et puis, de toute façon, d'un point de vue politique, on ne peut pas se permettre d'envoyer des grosses troupes. Donc, ils ont envoyé des troupes. C'était juste un massacre notoire. Enfin, pour les Américains, ils se sont fait massacrer. Donc, ils se sont dit, on est les États-Unis, on ne va quand même pas perdre la face comme ça. On va renvoyer plus de monde. Donc, ils ont renvoyé plus de monde. Même cause, même effet, ils se sont encore fait massacrer. C'est pas possible de perdre comme ça. Ils ont renvoyé plus de monde, plus de monde, plus de monde, et c'est devenu un bourbier innommable. Regardez dans la pop culture américaine des années 70, 80, 90, le nombre de films qui en parlent, le traumatisme est présent aux États-Unis. Ça, c'est un autre biais que j'ai trouvé sous deux noms. Ce sont les dépenses gâchées ou les coûts irrécupérables. C'est là, on ne peut pas se permettre que ce soit en vain. C'est typiquement le comportement que vont avoir les accros au jeu. Ils ont déjà perdu des sommes astronomiques au casino, mais non, mais c'est bon, je vais me refaire. Je ne peux pas me permettre de rester là-dessus. Et du coup, à chaque fois, ils vont perdre plus et plus. Le souci sur nos projets, c'est que souvent, on a ce type de discours qui vont être tenus par potentiellement des anciens sur les projets, des sachants, même des fois des experts. Et j'aurais envie de vous dire, méfiez-vous des experts et des audits, parce que les arguments à base de « oui, mais moi, j'ai une cravate », et dans mes précédentes expériences, de toute façon, on fait comme ça. Et puis, voyons, monsieur, les grandes réussites sont basées sur ces éléments. Il faut absolument refaire ça. Eh bien, celle-ci, c'est encore un autre biais. Ça s'appelle le biais du survivant. Alors, celui-ci, il est sympa. C'est encore une histoire de guerre. C'est terrible, mais l'humanité apprend plus des fois pendant la guerre. Elle oublie après, mais pendant la guerre, elle apprend plein de trucs. Ce sont, je crois, les Anglais qui envoyaient des avions au front. Et du coup, tous les avions ne revenaient pas. Et ils prenaient les avions qui revenaient et ils se posaient la question, comment faire en sorte qu'il y ait plus d'avions qui reviennent, qu'il y ait moins de casques, qu'on perde moins d'avions, moins de pilotes. Donc, ils ont regardé les avions et ils ont regardé où les avions se prenaient des impacts de balles en se disant ce sont les zones qui sont exposées, ce sont les zones qu'il faut protéger. Donc là, on voit, ils se prenaient des impacts sur le bout des ailes, sur la queue, tout ça. Ils se sont dit c'est les zones qui sont le plus exposées, donc on va protéger ces zones-là, on va renforcer, on va mettre plus de blindage, on va faire de l'ingénierie pour que ça vole toujours aussi bien, mais voilà. Donc, ils ont fait ça. Et ils ont renvoyé des avions en se disant maintenant, on va avoir un taux de retour bien supérieur. Et ils ont renvoyé les avions et ils ont eu un taux de retour identique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont des avions qui sont revenus avec des impacts de balles, ils ont analysé ça et ils ne se sont pas posé la question de où étaient les impacts sur les avions qui ne sont juste pas revenus. Et c'était peut-être ça la question la plus intéressante à se poser. Alors d'ici c'est facile, hein, on se dit il n'y a pas d'impact sur les moteurs. Oui, effectivement, ceux qui se prennent des impacts sur les moteurs, ouais, forcément ils ne sont pas revenus. C'était peut-être là qu'il fallait. Alors après coup, c'est facile de se moquer, mais quand on est dedans. C'est un biais du survivant. Et si vous regardez les confs, les grandes confs super inspirantes, les TEDx, les trucs comme ça, avec des chefs d'entreprise, nous, on a fait ça, faites tous comme ça. Et le nombre de petites boîtes qui se disent « il faut faire du Spotify, regardez Netflix, il faut faire pareil », alors ça marche chez eux, c'est cool. Ça ne veut pas dire que ça va marcher partout. Il y a un proverbe pour ça, c'est « there is no silver bullet ». Il n'y a pas de truc magique qui marche partout. Si une stratégie marche chez quelqu'un, c'est cool, mais potentiellement, elle n'a pas marché chez un paquet d'autres gens. Il n'y a jamais une seule cause qui peut expliquer un succès ou un échec. Le biais du survivant, il est un peu là-dessus. C'est faire confiance à lui, ça a marché, donc tout ce qu'il dit est vérité. Certainement pas. Il y a des choses à prendre, mais il y a d'autres choses à ne pas prendre. Alors, si je reviens à la question du début, nos biais cognitifs, est-ce qu'ils se soignent ou pas? Concrètement, non. Ils sont inscrits dans notre cerveau, ils ne se soignent pas. Par contre, on a des moyens de remédiation là-dessus. Je vous ai fait une petite liste de filtres. Vous pourrez partir avec ça. Le premier filtre, je dirais, c'est quand il y a un biais, c'est déjà de le connaître, de savoir qu'il existe. Tant qu'on ne sait pas qu'il existe, on ne pourra pas l'adresser. Donc, c'est la base, connaître un petit peu le biais. Deuxième filtre sur ce biais-là, c'est avoir un peu d'humilité. C'est accepter qu'on y sera soumis, qu'on le veuille ou non. Parce que souvent, on se dit « ouais, mais c'est bon, maintenant, moi, je connais, du coup, moi, j'aurais pas. » Eh bien, si, on a beau le connaître. Moi, le test de biais de confirmation que je vous ai donné, j'en ai fait fortuitement d'autres, je suis tombé dans le panneau aussi. Pourtant, je suis ici à vous vendre que je connais super bien le truc. C'est pas parce qu'on le connaît qu'on y est protégé. Ensuite,
Un troisième filtre, ça va être de prendre du recul, savoir prendre le temps de mesurer les conséquences que peuvent avoir les biais, le ou les biais sur lesquels on travaille. Des fois, il y a des biais, c'est pas grave, il n'y a pas à épiloguer dessus. Et des fois, il y a des choses qui peuvent être plus problématiques. Ensuite, c'est essayer de mettre en place une remédiation. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme stratégie individuelle ou collective de contournement? Il y a des biais individuels qui peuvent se résoudre de manière collégiale. Dans le code, c'est pour ça qu'on a des PR, justement pour soumettre à des regards extérieurs et avoir un autre recul un peu différent. Il y a ça. Et enfin, il y a une espèce de récursivité, c'est à quel biais serait soumis le filtre 4, parce qu'on va mettre en place des stratégies qui, elles aussi, peuvent être biaisées. J'ai parlé des PR, les PR peuvent être biaisés justement par une parole d'expert. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas sans forcément chercher à mettre de la malveillance ou quoi que ce soit, mais de temps en temps, il y a des profils qui sont plus experts, qu'on va écouter naturellement parce qu'ils sont experts. Bah, c'est juste des humains, ils peuvent se gourer et c'est pas grave. Faire attention à ces choses-là. Donc là, on a vu le filtre pour gérer un biais. On retourne au suivant, au premier point, pour le biais suivant. Concrètement, aucune recette n'est infaillible. Je viens de vous dire juste avant, there is no silver bullet. Je ne suis pas en train de vous dire que ça marchera à tous les coups. C'est une démarche qui peut permettre d'aider et de se sortir un petit peu de deux, trois mauvais pas. Quelques ressources, si le sujet vous intéresse, que vous voulez aller plus loin, que vous voulez apprendre d'autres choses connexes à tout ça. Pour moi, le plus important, c'est ce bouquin-là, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, par Beauvois et Joule. C'est un bouquin qui retranscrit, j'allais dire, une quarantaine d'années de recherche en psychosocial et du comportement, qui le vulgarise, qui met ça à dispo de tout le monde. C'est hyper intéressant. Je pense que ça devrait être, je vais être un peu direct, mais ça devrait être obligatoire dans les écoles d'apprendre tous ces trucs-là pour éviter de se faire fumer par tout un tas de choses. Le fait de savoir comment éviter, de connaître certains schémas de manipulation, ça peut nous permettre de les éviter. J'ai pris beaucoup d'exemples ce soir de ce que vous avez entendu ce soir. Ce matin, j'ai l'impression d'être le soir. C'est la fin de la conf, on est fatigué. Il y a pas mal d'exemples que j'ai sortis de ce bouquin. Il parle de la guerre du Vietnam, je crois qu'il parle du biais du survivant. Les dépenses gâchées, voilà, je leur ai pris ces exemples-là. Il y en a plein d'autres. Vraiment, c'est hyper passionnant. C'est pas trop compliqué à lire. Et ça peut vous aider dans le quotidien. Il y a plein de choses qui sont vraiment, vraiment utiles. Moi, je consomme beaucoup de chaînes YouTube qui parlent d'esprit critique. Je pense que vous en connaissez déjà. Il y a Hygiène Mentale qui est super sympa. Spline LND, je lui fais plein de pubs parce qu'il n'a pas beaucoup d'abonnés, alors que ce qu'il raconte est absolument excellent. Il a toute une série de vidéos sur justement l'impact des réseaux sociaux, comment sont faits les algorithmes, comment essayer de se sortir de ça, pourquoi c'est aussi bien ciblé. Pourquoi, comment on peut considérer ça comme dangereux. C'est vraiment super intéressant. Il en a une où il explique qu'il n'a pas le permis, il n'a pas de voiture, il n'aime pas les voitures, mais il a vu une pub pour la dernière Volkswagen Polo. À la fin de la pub, il voulait acheter une voiture, il n'a pas compris. Et il analyse, il déroule le truc, et c'est super intéressant, vraiment. Il est classe, il y a Science Étonnante, enfin, il y en a plein. Dernière ressource, ça c'est de la pub, c'est mon podcast. À noter que ce que je viens de vous raconter, c'est issu d'un épisode que j'ai sorti il y a un peu plus d'un an, où je parlais juste de TDD, de biais de confirmation. J'ai sorti le truc, ça a plu à pas mal de gens, donc j'ai creusé là-dedans. Et il reste 6 minutes si vous avez des questions, sinon c'est tout pour moi, vous pouvez aller manger. Donc, ouais, s'il y a des questions, levez la main, il y a des micros. Sinon, après, je suis dispo quand vous voulez, dans les couloirs ou juste là. Non, tout le monde a faim. Eh bien, pas de souci. Moi aussi. Merci.